Salut les petits amis, c'est Ham Game. J'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour l'épisode 30 déjà de The Legend of Zelda. Breath of the Wild. Alors, on va pas perdre de temps puisqu'on va tout de suite se rendre dans un sanctuaire qui va nous mener une récompense. Et ensuite, on va passer 2, 3, 4 épisodes dans l'île des Caraïbes. Vous allez voir, ça va être sympa. J'espère que vous allez bien. Logiquement, si vous avez suivi un petit peu le cours des choses, on y est à l'épisode 3, 2. Tears of the Kingdom, j'espère que ça vous a plu. Voilà, c'était pas prévu que je le fasse le jeudi, mais bon, vu la tuerie que ça a été, il était impensable pour moi de le décaler. Voilà, donc j'ai un peu de retard par rapport aux autres, mais voilà, je prends mon temps et j'explore un petit peu ce qui se passe autour. Voilà, mais on n'est pas là pour parler de Tears of the Kingdom, on est là pour parler du magnifique et du non moins célébrissime Breath of the Wild qui est tout aussi un chef-d'œuvre. Voilà, alors donc là, on va récupérer un petit coffre. J'ai dû faire une petite coupure, excusez-moi, ça a sauté, hop là, voilà. Donc c'est un donjon qui n'est pas bien difficile, hein. Vraiment, il n'est pas bien difficile. Ok. Je vais pas perdre de temps, ok, je vais pas prendre le chest tout de suite. Oh, pff, allez, ça mange pas de pain après tout. Ok, allez hop. Ça c'est un peu chiant, je vous le cache pas. C'est un petit peu relou, mais bon, c'est malheureusement on est... Hop là, voilà. Et ok. Super. On a récupéré la récompense. Ok. Allez, plus qu'une armée de triomphe et on aura un nouveau cœur. Ou une nouvelle... un nouveau... Comment... On va pouvoir ajouter un peu plus d'endurance. Je sais pas encore, j'ai pas encore décidé. Donc là, on est au village des Caraïbes. Admirez comme c'est beau. Ça rappelle vraiment la Polynésie française. Je vous laisse écouter la musique comme elle est belle. C'est beau, hein. Bon, alors là, on va aller choper un PNJ qui va nous missionner de aller sauver la plage des Caraïbes, qui a été apparemment attaquée par des Bokoblins et des Moblins. Et je crois qu'il y a des Alphos, mais je suis pas sûr. Alors déjà, on va voir Piatti. Apparemment, il leur manque un ingrédient. Platy, pardon. J'ai tout ce qu'il faut. Merci. Donc là, elle va me donner normalement, si je dis pas de bêtises. Elle m'a donné la paella de la mer. C'est ça. Paella de la mer max, et ça me permet un petit peu d'avoir beaucoup plus de cœur. Ok. Je vais faire un autre petit plat. Ah bah non, je suis con, c'est déjà fait. Non, en fait, j'avais plus de sacoche, excusez-moi. Alors, donc là, on va parler à Bakias, qui va nous missionner, justement, d'aller nettoyer la plage, qui a été attaquée par des Bokoblins et des Moblins. Et c'est comme ça qu'on va terminer l'épisode. Voilà. Excusez-moi un petit instant, je suis en train de régler un truc. Voilà. Je laisse juste admirer un petit truc. Alors qu'on voyait la hauteur comme ça vous rappelle pas un peu l'île de l'émeraude dans Wind Waker? Ouais, on est d'accord, hein. Ouais, on est d'accord.
Alors. Non, c'est juste pour vous montrer ça, vous inquiétez pas. Ok, j'ai aussi. J'en ai aussi profité pour faire une petite. Voilà, petite capture d'écran. Ok. Et on va se lancer à corps perdu dans la bataille. Alors ça c'est génial et j'aimerais vraiment qu'ils remettent ça aussi dans Tears of the Kingdom. Le cheval qui se téléporte avec le harnais et l'attache archéonique. Parce que ça évitera d'aller chercher à Petoshnok. Je pense qu'il y a moyen de le trouver. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, mais en tout cas c'est super bien trouvé. Voilà. C'est vachement bien trouvé. Alors attendez, je dis une connerie parce que non, on est à l'épisode 4 et non 3, excusez-moi. Attendez, attendez. Laissez-moi réfléchir. Ça, je vous laisse en même temps écouter la musique. Alors attendez. Nous sommes à voilà, en fait, comment on est à l'épisode 3, c'est bien ce que je disais, excusez-moi. On est à l'épisode 3, ok. Que vous pouvez retrouver exclusivement avec Krista, parce que Krista adore le jeu et il est impensable pour moi de faire le let's play sans Krista, tout simplement. Alors vous. Oh là 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 là, on va avoir ce ralenti, Thierry. Alors évidemment, les comparaisons entre Tears of the Kingdom et Breath of the Wild sont légion, mais très honnêtement, je vois pas beaucoup de différence. Bon, il y a une légion. Je retire ce que j'ai dit. Breath of the Wild n'est pas obsolète par rapport à Tears of the Kingdom. C'est clair que Tears of the Kingdom est 100 fois supérieur, mais c'est pas pour autant que Breath of the Wild a pris un coup de dieu. Bien au contraire, ça reste un putain de jeu et très honnêtement, c'est un véritable plaisir, une véritable bouffée d'air frais que d'y jouer. Hop. Ah non, je l'ai pas eu. Là, je l'ai eu. Non, je l'ai pas eu. Merde. Si. Hop. Non, loupé. Bon, j'ai pas le choix. Les restes des Bokobines ont atterri jusque là avec le vent. Oh la vache. Oh les dégâts que j'ai fait, putain. Oh, 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 oh. Ok. Donc je le rappelle pour tous ceux qui se demanderaient comment va se passer, hein, comment vont se passer les épisodes. Du jeudi jusqu'au dimanche, il y aura des let's play essentiellement sur Zelda. Jeudi c'est Tears of the Kingdom, vendredi c'est Breath of the Wild, samedi c'est Skyward Sword et putain foiré. Et le dimanche c'est Link's Awakening DX. Et on approche dangereusement et sûrement de la fin du jeu. Voilà. Toi t'es mort. Voilà. Oh non, non, parce que là, oh là là, ouais, heureusement que j'ai pas déclenché la bombe, parce que sinon j'aurais été mal. Ok, alors. Ok, voilà. Tiens, on va mettre l'arc de l'hirondelle, ok. Boum. Et bim. Il est pas tombé cet enfoiré. Là tu vas tomber. Voilà. Ah il y en a encore un, je le vois. Il est là. Ah non, il y en a encore deux. Toi j'aime pas me faire chier, regarde. Hop, allez, dis au revoir. Goodbye. Merde. Non, on va faire autrement. Autrement. Il y en a encore deux. Ils sont chiants ces petits monstres. Hein. Voilà. Ah, j'en ai loupé un encore. Merde. Ah mais. Je le vois pas.
Où est-ce qu'il est, ce salaud? Oh, et merde. Me dis pas que je suis passé à côté et que je l'ai pas vu. Putain, ça par contre c'est chiant. Te casse pas la gueule, putain! Ça m'énerve. Ça c'est chiant, ça fait perdre du temps en plus. Allez, monte! Ça m'énerve. Ah, cette putain de pluie qui me fait tomber aussi là, bordel. Non, mais c'est chiant les mecs, là, sérieux. Ça m'oblige à utiliser ce que j'ai pas envie d'utiliser. Bon, ne tombe pas, voilà. Maintenant, faut que je trouve ce connard là, le dernier, et après on va se laisser. Désolé si j'ai un petit peu ragé, mais la pluie dans ce jeu est très chiante. Et quelque chose me dit que dans Tears of the Kingdom, ce sera toujours la même chose. Mais c'est toujours aussi ingénieux, c'est toujours aussi bien pensé, ça c'est clair et net. Alors. Ça m'agace. Ah non, hein. Je l'ai vu, c'est bon. Je l'ai vu. Attendez, je vais prendre un peu de hauteur pour lui faire sa fête. Voilà. Je te tiens. Et maintenant, va mourir. Oh. Ah non, je l'ai pas eu. Là, tu es mort, c'est bon, on l'a eu. Bon les amis, il reste une poignée de secondes, je suis désolé si j'ai un petit peu ragé, si j'ai perdu du temps. J'espère que l'épisode 30, aussi court soit-il, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, vous savez quoi faire. Nous, on se retrouve vendredi prochain pour l'épisode 31 qui sera un tout petit peu plus long. Vous allez voir, ça va être sympa, ça va vous rappeler un certain Twilight Princess. Nous, on se retrouve au pire demain, après-demain et après-après-demain. Je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous, c'est plus important. Ah, ciao, bye bye. Allez, salut tout le monde.